Ça, c'est pas sympa. De quoi? Premier piercing. Ah ouais. Aïe. Ah ouais, elle était pas contente, maman. Ah ouais, mais tu sais, si je te raconte comment elle l'a découvert, s'il te plaît. Donc c'était piercing où? À la langue. Oh là. Oh là là. Oh là là. Quel âge? Ouais, mais je devais avoir quoi, 16 ans, comme ça, un truc comme ça. Et ma mère, elle m'avait dit, tant que tu seras chez moi, il n'y a pas de piercing. Tu vois, bah, qui ne l'a pas entendu, ah, cette. Tu moi, vois moi. Tu vois ou pas? À la première boucle d'oreille, c'est toujours comme ça. Celle, Tu t'es fait cogner ou pas? Mais encore, ah, vous, ouais, ouais. Encore vous, c'est ouais, bien, c'est vous avez de la chance. Hein. Ouais, pourquoi? Bah moi, attends, moi, je te jure que si je ramenais une boucle d'oreille et tout à l'époque, c'était, j'étais rejeté, jeté par la fenêtre. Hein. Ah ouais, carrément. Ça, moi, mais toi, moi, quand même, qu'est-ce qu'elle a dit? Explique-nous. Toi, t'as le piercing à la langue, donc tu. Bah en fait, je lui dis pas. Bah oui. Et en fait, à l'époque, bon, elle déménageait en Normandie. On déménageait tous en Normandie, donc mes petits frères et tout. Et moi, j'avais choisi de rester à Paris. Avec Gilbert Montagnier et tout. Ouais, c'est ça. On embarquait tout le monde dans la voiture, tout ça. Et en fait, un jour, on va au resto. Et en fait, en resto, en tête à tête avec la madré et tout. Et on rigole. Et là, je. Merde. Ah, je vois le. Ah, okay. Ouais. Et là, elle me regarde, elle me dit. T'as quoi sur la langue là? Non, mais maman. Tu l'avais depuis combien de temps? En fait, ma langue, elle était encore gonflée un peu. Tu devais dissimuler la douleur, tout, c'était incroyable. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait. Et du coup, je l'avais depuis quoi? Peut-être une semaine, un truc comme ça. Elle avait pas repéré. Mais là, en face à face, bim. Elle m'a pas parlé pendant une semaine. Fred, quand je t'ai dit elle m'a pas parlé, c'est pas parlé. Ma mère, elle rigole pas. Tu l'as enlevé depuis? T'as pu? Non, ouais, j'ai enlevé. Non. Ça, c'est des trucs de jeunesse, c'est bon. Donc maman, elle est contente de ça. Je suis toujours jeune, mais bon, bah, à ce moment-là. Oui, oui. Donc voilà. Voilà, là maintenant, t'as 25. C'est, voilà, c'est ça fini, va, c'est fini. Voilà. Ça, c'est 24 et demi. 24 et demi. Ah, donc, quoi. Bon, en tout cas, voilà pour la petite histoire avec la madré. Ne bougez pas dans un instant, il y a encore d'autres histoires. Je vous parlerai d'une sombre histoire en cours d'anglais, mais ça, je ne vous en dis pas plus dans quelques minutes.